Termine difficilement pour toi? Ouais, là, compliqué. Bah, Mylène, elle est en forme, hein, week-end dernier, plus best, elle enchaîne les courses, c'est facile, quoi. Donc, là, elle m'a bien attendu, c'était cool, mais la fin, c'était très bien. Alors, toi, Mylène, surtout, tu découvres, toi, le Schkoal. T'as déjà couru, évidemment, au Pays Basque, mais le Schkoal, c'est spécial. Comment tu l'as senti cette première journée? Bah, c'est sympa, c'est un binôme, c'est une ambiance, le Pays Basque, ben, ils savent y faire, quoi. Et puis, je serais content de courir en binôme, quoi qu'il se passe. C'est une course à deux. Aujourd'hui, c'est à deux. Aujourd'hui, c'est à deux et demain, il faut repartir. Là, vous avez le temps de récupérer, donc ça, c'est cool. On a déjà eu les coureurs de l'ASM. Hein. Vous avez un copain qui est là-bas, un duo. Alors, Didier, ça y est, avec nous, on est en vrai. Super. Alors, les couleurs orangées. Ça y est, c'est fait. Le deuxième cœur, la Fabien et Victor, Guillaume Tour. On vient de Vendée. Julien de Vendée. Le 4 parcours, comment vous les trouvez? Bienvenue chez vous, un peu. On peut courir, c'est pas trop violent dans les montées, c'est super. Non, moi c'est la troisième. Merci beaucoup. C'est top, deuxième duo mix. Applaudissements. C'est sympa pour demain, ça. C'est Julien Oaxema, triathlète, trailer, Julien. Ça va se tirer la bourre demain. Super. Oui, bon, ça. À fond les garçons et les filles. Bravo, félicitations. Dites-nous, vous venez d'où et vous êtes en couple, je pense. Comment ça s'est déroulé? On habite au Pau, on est dans le club de Pau Triathlon. Et oui, on est ensemble. Est-ce que ça aide de courir en couple? Comment? Est-ce que ça aide à courir en couple? Oui, à fond, ouais. Qui encourage l'autre? Plus lui, parce que moi, je peux pas parler, il va trop vite pour moi. Donc, c'est plus lui qui m'encourage. On s'entraide. C'est la première fois que vous courez ensemble? En course, ouais. Et demain, il faut le confirmer demain. Ouais. C'est ça. Dites-nous, comment vous trouvez l'organisation, le parcours? L'orga, elle est super. Moi, je l'avais déjà fait il y a 4-5 ans. Et j'avais adoré avec un copain. Et là, l'orga, elle est irréprochable, elle est géniale. Franchement, c'est... Une super ambiance, on est supporté de tous les côtés. C'est vraiment important, c'est génial. On a la météo avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans les mains, voilà, ils ont massacré les dossards. J'espère que ça va passer, ça va le faire. Allez, bienvenue les gars. Allez, super. Métier avant de s'arrêter, t'as Kepa Padrones. Oui, dites vous. Super. Rico, Ria. Bravo les garçons. Allez, c'est bon pour vous aussi, sous vos applaudissements, merci. Pour eux, super. Ils vont bien, signe de vie, ça va. Tout va bien. Allez, Sorionak, Sori, Goles Menak. Vous avez. Allez, les jolies couleurs. Bleu, la seule ligne d'arrivée, elles sont pour Jonathan Parenti et Jérémy Pasquin. Annonce les premiers. Accompagnés en famille. Une arrivée en famille. Allez, on va. Hop, hop, et tu as raison. Et là, Chana Kondrika, Chana Tarak. Donc, c'est un duo mixte avec Sophie Porcel et Timo Rock. Et on a les filles juste derrière, voilà, elles sont là. Vineshka Kornitogo. Bravo Sophie. Duo mixte toulousain, les toulousaines sont là. Voilà, elles sont là. Les premières féminines. Sophie Goutier et Wilke Wouk. Allez, beste talde mixto bat hemen. Super. Fabrice eta Ivan atapi.
Bravo, Yann. Yann Blanchard, famille super. Super. Comment vous appelez? Comment Dipke. Vous venez d'où? Allemande. Expliquez nous votre parcours, comment vous le trouvez? Moi je trouve que c'était super, c'est parce que c'est même les kilomètres, c'était marqué. Ah oui, c'est super. Non, c'est à Marseille, top. Ça me va très bien. Est-ce qu'il y avait des animations sur la route? Oui. Les musiques, quelquefois, j'adore ça. Ça aide beaucoup. Est-ce que vous avez pu arrêter regarder la montagne? Comment? Est-ce que vous avez pu vous arrêter regarder la montagne? Je fais les photos quand même. Oui, je fais les photos. Qu'est-ce qu'on est bien? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et non, contente. Elle est bien suivie et top. Je suis très contente. Super, une belle première journée pour vous deux. Bravo à toutes les deux. On va vous suivre demain aussi. Merci. Et Vincent Lucardi, Léo Pyrénées avec Christophe Cerisier. Toi aussi, Christophe. De caractère. Et là, c'est les deux formules. C'est vous arrivez avec plein de duos, des mixtes, des. Mix en bas de mixte, on a Egoitz et Eneritz. Egoitz, Aïta Lava, S. S. Ah, super. Fresco aussi là. Bravo. Il est parti avec une entorse. T'entends, pas content. Sauf s'il a content de base. Non, on a pris du plaisir donc ça. Ouais, et si se laver aussi. Allez, les garçons. Avec Pierre et Antoine, salut les gars, bravo, bon, ça commence à défiler. Super les garçons, en duo là aussi, Charles Foch et Rémi Douya. Maillot du GTVO, des Béarnais sans doute. Ouais, bravo les garçons. Il n'y a pas que de Berlin. Et on va voir Yann Lardoy et Laurie. Tu vas les connaître. Yann Lardoy, il est d'ici, de Baïgoï, accompagné de Laurie Feuille. Allez, c'est bon ça. Le troisième équipe mixte, il me semble. Troisième équipe mixte, ça y est. Ils sont pas mal. Ah, il y a eu du monde en mixte. Egunon, bravo, si. Dites-nous qui vous êtes, on dit que vous êtes de Baïgoury. Alors Yann Lardoy, j'ai ma famille qui habite à Baïgoury. Moi je travaille à Toulouse, mais je viens tout le temps en vacances ici, tous les week-ends, donc je suis chez moi. Ça va être la 8e fois que je fais la course, donc je connais bien. Est-ce que vous parlez notre langue pour nous dire quelques mots? Même pas. Milesker alors. Vous pouvez nous dire Milesker, mais après ça va s'arrêter là quoi. D'accord, merci beaucoup. Allez, c'est fini. Ah, c'est costaud. C'est costaud. Ah, c'est même ici, c'est costaud, regarde. Ouais. Alors, on se retrouvera avec eux sur le scène, n'arrive pas tout seul. Allez, notre équipe mixte, Bérénice Brugno et à Joaquin Lombia. Et même, dites-vous, ça y est, Amila. Hein. Allez, c'est le pronom qui compte, bien sûr. Allez, bienvenue, encore un duo mixte. Avec le petit clin d'œil, bien sûr, pour la Sky Arena. Dernière édition, le 21 septembre. Nous sommes sur cette ligne d'arrivée. Aïe. C'est bon ça, ça grimace, mais c'est bon, allez, terminé pour vous. Ah, c'est du costaud, bravo à tous les deux. C'est du très costaud, ouais. Bon, au revoir. Élise. Félicitations. Effectivement, Élise. Qui est régulièrement sur les podiums féminins. Ouais, bienvenue. Desperado Trail, donc c'est des partenaires 80. Et puis après, ça repart mieux. Ça va bien? Toute la famille était là, j'imagine, pour vous soutenir. Et je crois que Arcoalen Aspian Céline Allègre et Pierre Oscamou. Félicitations, Boris Menaxori. Ouais. 643 équipes. Allez, bienvenue à tous. Et ils nous ont mis le t-shirt de la course. Regarde, super les couleurs, merci.
Bon, le truc, c'est que d'ici demain, il va falloir trouver un autre jeu de maillot. Non, on remet le même. Ouais, ça on le lave. Ça a séché, on le trouve. Même pas la grimace. Impeccable. Application de Pyrénées. Bienvenue à vous. Là, j'essaie de reconnaître. Ah, t-shirt. Bill in Try, bien sûr, le partenaire. Elle a pris un peu d'avance, mais elle accompagne. Donc, Fabien et Maxime. Hoppa, les garçons. C'est beau. Et en 3 heures, ça y est. Allez, juste devant vous. Qui est arrivé en famille, hein. Le fiston et le papa. Ouais, ça va être père et fils, hein. On peut pas se tromper. N'inversez pas les t-shirts. Podium. Le podium. Allez. Podium. Avant les scans. Podium. Chloé, Pauline de l'ASM Po. Eh, t'as vu, ils placent leurs pions là, ils sont costauds. Bravo les filles. Je trouve qu'il y a trop de verre. Je viens de Pau, j'ai 30 ans. Et voilà, j'ai 26 ans et je viens d'Ordaï. Parlez de cette course alors, comment ça s'est passé? Très beau parcours, il déroule bien. Difficile quand même, on a un peu souffert de la chaleur, mais magnifique, trop bien. Ouais. Quel parcours vous avez fait? Le 40, 2 fois 25? 2 fois 25. Demain, il faut le confirmer. Demain. Ouais. Ça va être dur, ouais. Mais ouais. On verra. Merci beaucoup. Merci. Hey, les belles foulées pour terminer là. Ça va bien, les gars? Bravo. Et yo, t'as chez vous, Niria. Pour les jeunes Axoli. Ah, il y a du jeune dans le duo là. Et bienvenue à vous aussi, les gars. Yo. Bravo, félicitations après d'être championne de France. Et là maintenant on s'est mis au trail. Parle-nous de cette parcours, allez on s'est mis par là. J'étais pas en forme, je suis pas en forme, mais là il chie. Mais l'essentiel, tu as fini, tu es là. Alors comment tu as trouvé le parcours? Merci Péo. Belle ambiance pour la ligne arrivée, bravo à vous deux. Vous avez les photos juste devant vous, les images qui tournent sur internet, bien sûr. Et le troisième duo féminin, troisième les filles. Ilona Ganeshka et Mélie Togo. Flavie et Cécile. Ah, top du top, les filles. Je vais là, félicitations les filles. Ouais, mais c'est c'était chaud, regarde. Les quatrièmes. Et demain, ça va donner, ça va être très intéressant demain. C'est top. Mais il y a un bon esprit, il se félicite. Parce qu'au niveau des équipes mixtes, c'était pareil. Les deux troisièmes sont arrivés à 10 secondes d'intervalle. Là, les deux et troisièmes équipes. Non, 3 et 4 équipes. Bravo, félicitations, vous êtes troisième. Ouais. Et il faut le confirmer demain. Allez, nous racontez un peu. On verra demain. Ça dépendra de la nuit. Racontez-nous votre course, comment ça s'est passé? Les gars, la sécurité. Du plaisir. Ah, j'ai du plaisir, heureusement que c'était là pour pour votre information, par rapport à quelques cailloux. C'est la première fois sur la distance, donc. C'est pas pour parler, c'est sur la. C'est quand vous êtes parti ce matin, vous dites que vous êtes sur le podium. On disait top 10, pas plus. Allez, le total de la. On est dans le top 10. Merci beaucoup. Merci. Pour depuis ce matin, il va travailler. Allez, voilà, je me lève. Bravo à tous et toutes. Jean-Paul est là. Le club olympique bayonnais. Comme. C'est une fois, ceux de 130. Effectivement, puisque. Mais ça va vous, hein, vous avez tout à jouer demain. Du côté des fournis, les filles. Les Ascaïna. Fidasken. Elles rigolent pas. Ils ont pas le sourire là. Hein. Non, sans forcer là, je sais pas s'il faut récupérer dans ce premier étape. Il ne rigole pas. Demain, hein, vous êtes motivé pour demain ou pas trop encore? Allez les schacs, billard à fond, vous récupérez quelques places. Et vous rentrez sur le podium. Les jeunes et noirs sont là, bien sûr, en nombre. La vague est partie à 10h30. Je pense que ça va piquer quand même pour eux. Le départ est 10h30. Hein. Alors Lionel, la 8. Et Frédéric, comment ça va les gars? Bien, mais je pense que c'était dur, évidemment, de toute façon c'est comme ça aussi. Et le Team Trail 17, c'est ça, Royan? Et c'est... Et on s'amuse, on s'amuse. Et la Vendée,
les Charentais et tout ça, voilà, tu vois, là, on aura pas loin les Girondins juste en dessous. Allez. Et la première journée, j'espère aussi pour vous deux. Allez, les garçons, maintenant, couleur rouge voyante, même aussi. Allez. Bienvenue, messieurs. Une équipe mixte encore qui arrive juste derrière nos amis. Périne, David, Hugo, Alizé, Chauvin et André. Au bonsoir. Allez, bienvenue à vous aussi en mixte. Allez, bienvenue à vous aussi. Super, voilà. Voilà. Ce beau monde sur la ligne d'arrivée, tous ces lions. Ça arrive, le 40 arrive, Véro et quoi, il va tout au sale coup. Et on dit que 8 minutes à l'emboulot, on va même. Et je t'étonne les escamates. Marie, Vigier et Solène. 4, 5, 6. 6ème du féminin pour l'instant. Le 7. 7, ah ouais, 7ème. Marine et Solène. Non, 7ème, on les a pas. Passons musica au règle de Maïtou. Léna, Béro et quoi qu'on dit, cette musique. Ils sont en avance sur les prévisions, vous voyez, on peut aller. J'en connais Pascal. Les casquettes blanches. Non, je me trompe, ils sont encore plus loin. Non, ils sont plus loin. Ils sont plus loin. Bravo. Là, ça y est, on les voit là. Sous l'arche, Pyrénées Chrono, on dit tout vous, Léna, Béro. Le squat trail, Sébastien Soulard, en bas soir, Cater. Allez, ça se fait. Montagne du côté de Saint-Henri, ça bosse bien là-bas. Et surtout, surtout des habitués de l'Ultra. Donc, parce qu'on a essayé de gérer. Bon, après, on a fait n'importe quoi à la fin, mais sinon, on a bien géré. Ouais. N'importe quoi, vous avez loupé du balisage ou quoi? Non, non, je pense qu'on est allé trop vite, mais bon, c'est pas grave, on verra demain. Vous avez dû casser quelques fibres supplémentaires, c'est ça? Voilà. Bon, en tout cas, vous avez fait déjà vous lâcher un duo avec elle, non? Jamais, jamais. Jamais? Non, jamais, mais comme on s'entraîne tout ensemble, c'est pareil, en fait. Ouais, oui, ça change rien. Non. À peu près le même. Et voilà, c'est... Pour Sébastien, pour Pascal. Pour Pascal, pour Pascal. Allez, pour Pascal, pour Pascal. Pour Sébastien, pour Pascal. Dites-nous, vous venez d'où Je voudrais savoir qui vous êtes, vous venez de quelle région ici et est-ce que c'est la première fois que vous êtes premier? Ouais, nous on vient des Hautes-Pyrénées en fait. Et c'est la première fois qu'on fait le Schkal, mais pour l'instant le premier parcours est très très beau, donc on espère faire aussi bien demain quoi. Est-ce que vous avez fait d'autres courses avant? Ici ou ailleurs ou... Ah oui, on en a fait plein, mais cette année c'est la 2e ou 3e je crois qu'on fait. Voilà. Et demain, il faut le confirmer, de voir que vous êtes en famille. Ouais, voilà, on va essayer de confirmer demain, j'espère. Merci beaucoup, c'est la 3x40. Merci, merci beaucoup. Un pas beaucoup, 222. Oui, Adrien Astier. Adrien Astier, Hugo Perrin. Hugo Perrin, 2e place. Et on n'a pas eu le temps de discuter trop longtemps. On va. Merci, merci beaucoup. Sur cette première journée. Allez, on va vous éviter aussi. Bravo, félicitations. Vous êtes 2e. Demain, il faut garder cette place. Comment vous allez faire réfléchir aujourd'hui? C'est reposé? Il va falloir se reposer cet après-midi. Cet après-midi au gîte sieste. Peut-être petit massage, on verra. Et voilà, du repos. Et prépare la peau pour demain s'il y a 2-3 frottements. Et c'est parti. Hein. Dites-nous, vous venez de quelle région? De Pau. Il y a beaucoup de Palois ici aujourd'hui. On voit qu'on est voisins, vous n'êtes pas loin. C'est ça. Merci beaucoup et bon sens pour demain. Merci à vous, Adrien. Merci. Bleu, on est sur le 25 km d'Ossard Jaune, sur le 40. Vous avez le code couleur avec le liseré juste au-dessus du dossard. Bravo à tous les deux, bravo à tous.
En bas, bravo les garçons. Et à Turbix, à nouveau. Et il y a du monde, on le disait. Pitiaka, pitiaka, on a les troisièmes, ça y est, du 40. Ilouna Renac, Begoye Koak, Pachi, Echeverria Reita, Pablo. Voilà, voilà, Dossard 21-59, Oitabat, Begoïta et Meletzi. Et si vous oubliez le dernier, on se... Décalé à cause du tour, il y a des épreuves. Bon, mais très bien, super les gars de Tarascon, bonne récup. Et les filles, d'ailleurs, on va pouvoir parler de la Barousse. Bon, mais c'est le week-end prochain, ça. C'est, ah, mais c'est l'entraîneur, mais voilà, très bien. Sanguilletori. Ah, yes! C'est tout bon. C'est fini, hein. Tu peux arrêter de courir, hein. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est votre binamo, votre... C'est cassé la rotule la semaine dernière. Ah, mais ça, du coup, vous êtes retrouvé tout seul. C'est pas trop dur. Ah, le mieux seul que mal accompagné. Merci beaucoup, vous n'avez même pas l'impression que vous n'avez pas couru. On a l'impression que vous n'avez pas couru. Même pas mal, on dit. Merci. Et dans le mix, toi, Maïva Lanois, Marc Prévost, premier duo mixte sur le D340. Bienvenue sur la ligne d'arrivée, Maïva. Marc. J'espère que tu me dis le masque du dernier. Ça va? Ah, ok, je me suis régalé, super parcours, super ambiance, on se régale comme chaque année. Vraiment un plaisir. J'essaie d'accrocher, ça va être un peu plus dur de même. Puisque
comme tu dis, faire un porte-nom. Bravo Maïté, juste un peu, quelques mots pour Info Garassi. On vous voit sur Instagram, vous êtes tout le temps en train de courir. J'aimerais que vous nous parlez un peu au niveau des entraînements, comment ça se passe. On sait que vous aussi, je pense, vous avez fait le Mont Blanc. Expliquez-nous un peu cette course aujourd'hui avec votre... Avec mon binôme. Oui. Voilà, le but c'est de partager une course. C'est un sport individuel et là c'est l'occasion de pouvoir partager ça. De se relancer après un début de saison où là il y a eu les France de montagne, les France de trail. Et là de repartir sur un deuxième bloc. Et rien de mieux pour ça que d'être accompagné, d'être au Pays Basque à la maison. Voilà, il y a une ambiance incroyable sur le parcours, les gens sont adorables. Ça tourne bien quoi, le choix, ça ne déçoit jamais. Là vous êtes premier mix, il faut le confirmer demain pour être au podium. Comment vous faites, repos aujourd'hui? Repos, vous allez faire un peu la fête? Non, faire comme l'année dernière, enchaîner quoi. Dites-nous, est-ce que vous avez d'autres courses à venir Ouais, au mois de juin, je vais faire le tour du Mont Blanc à vélo. Enfin, c'est en off, c'est pas une course. Et au mois de juillet, il y aura le Val d'Aran by UTMB. Et après, la Skyrun au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oh. Yateko, Yateko, Dendakele. Ah, ils sont skiés. Ah, je vois le retour des glaces. Bravo, Egunon. Les glaces. Parlez-nous un peu de cette parcours dans notre langue, un peu si vous parlez notre langue. Un semi-remorque. Jean-Pierre Pernaud de Garassi. Allez, vas-y. Parlez-nous un peu dans notre langue, si vous parlez le basque ou quelques mots. Et fatigué, je pense. Le prod aussi, évidemment. Sans oublier, parce qu'on a cité bien les chronos. On a, voilà, on a cité l'équipe d'Ascarson avec Laurent et tant de choses. Et CBL Prod qui nous produit ces magnifiques photos. Merci. Et on va les saluer, oui, sur cette ligne d'arrivée. Avec les couleurs de Bayonne. Bienvenue sur cette ligne d'arrivée.